Et salut à tous, c'est Fenrir. On est parti pour notre première event depuis la sortie d'Overwatch 2, qui sera l'event d'Elwyn. Clairement, ils sont pas fichés. Ils ont pris une partie de l'event de. Ils ont pris l'event de. Qu'il y avait habituellement. Donc de Shackelstein. Ils ont rajouté juste une petite parcelle d'histoire. Mais bon, on va voir un peu ce que ça a donné quand même. Les points DPS que là je viens de le tester avec le Kiriko pour voir un peu ce que ça donne. Il n'y a pas si longtemps, quatre protagonistes tuèrent le docteur Shackelstein et sauvèrent le seigneur du château. Cette nuit, dans les rues hantées par les omniaques et baignées par la pleine lune, quatre autres protagonistes affronteront une nouvelle menace. La fiancée en furie. Charge du canon électrique en attente. J'ai pas de tenir. J'ai remis. Faut que je trouve la sorte LR. Parce que c'est l'événement Halloween, c'est pour ça. Là, tu peux aller chercher, tu vois. Je prévois que vous allez venir ici. J'ai entendu au loin un petit manqueur. Un peu mieux d'un truc d'Halloween, écoute, attends. Manqueur. J'espère que tout le monde a pu s'en sortir indemne. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe ici? Je suis sûre que ces omniaques ont quelque chose à voir avec le seigneur du château. Et avec le docteur Shackelstein aussi, sans aucun doute. Qu'est-ce qu'on attend? Allons au château pour découper ce docteur en morceaux. Les protagonistes prirent la route du château, tandis que mugissait un vent de mauvaise augure. Shackelstein derrière tout ça. Ce ne serait pas la première fois qu'il dort de son côté. Assurez-vous de clore cette affaire cette fois. Oh, c'est verrouillé. Il va nous falloir une clé pour entrer. Mes visions me disent qu'elle se trouve quelque part en ville. Où est-elle? Thank you.
Débrouillage de la porte. Le château devrait être par là. Vous aussi, vous avez l'impression que quelqu'un me surveille. Ouais. Et j'aime pas qu'on me regarde. Qui putain sont là, hein? Quelque chose arrive. Pour regarder des trucs d'Halloween avec moi. Hein. Y'a rien qui fait peur. Si, tu viens t'asseoir là. C'est un ordre. On écrase. Hop là. Elle a bugué un peu dans le mur, comme nous. Elle a bugué un peu. Ah, je me suis fait buter au moment où il allait crever. Sérieux? Bon, c'est vrai qu'utiliser les joysticks comme touche pour. Putain de ta mère. T'es obligé d'apparaître comme ça, connasse ? Par contre, ce serait bien qu'elle soigne un peu la soigneuse, quoi. Les gars, vous ratez de ces privés de jokes, mais Mazel tov. Ah, même des fuck. C'est vrai que je peux me déplacer. Tu as du sang sur les mains, exécutrice. Mais ton aide serait possible.
j'ai. L'invocatrice, elle était morte, non? On dirait bien que la fiancée l'a ramenée à la vie. Eh ben, elle est de nouveau morte. Et la fiancée va suivre, une fois qu'on aura défoncé cette porte. Écartez-vous, les filles. Ma dynamite va réduire en cendres cette porte. Derrière la porte du château, les protagonistes n'affrontaient que les ombres. Je crois que les mecs ont vraiment pas compris. Le fantôme, on ne peut pas le blesser. La soigneuse fait rien. Genre là, depuis tout à l'heure, elle aurait pu me faire un milliard de soins de plus. Putain. Il a vraiment la flemme, le mec. Débrouiller la salle du trou. S'il vous plaît, je veux joindre. C'est le seigneur du château. Dépêchons. Le protagoniste se trouve vers le seigneur enchaîné à une table d'opération. À la merci de la force de chaque chien. Petite sombra avec le skin de. Le fiancé, comme ça. Comment il s'appelle le film que t'aimes bien, mon cœur? Les noces funèbres, là? Ouais, la meuf est un peu dans ce style-là. Marié zombie. Marion. Ne mène qu'à la souffrance. Elle est oui. Ok. La fiancée est à ce levier. Finissons
Putain, mais je me prends tous les kamikazes dans la gueule. Mais il va te faire foutre. T'as pas honte de me dire ça? Putain, mais il m'emmerde, ce fantôme de merde! Je l'ai eu. Je crois que c'est moi qui l'ai eu. Oh, le fantôme en lui-même qui est invincible et qui fait des dégâts en boucle. Non, c'était hier. Oh, hey, something rare, les gars. MVP. Allez, 3 étoiles. On est content. On est content, 3 petites étoiles. Kirito, j'aime bien son skin de sorcière, hein, mais honnêtement, c'est l'arnaque de payer quoi que ce soit sur, sur Blizzard. Parce que clairement, voilà, c'est de la merde. Et surtout, vu les arnaqueurs que c'est, parce que clairement, j'avais acheté le pack Overwatch 2, pack Observatoire, et bah, j'ai rien. Ni passe combat, ni rien du tout. J'ai rien du tout qui est débloqué. Hein, j'ai que mes skins de base à moi. Et mon transfert de compte n'est toujours pas actif. Voilà, le. La fusion de compte n'a toujours pas été activée. J'ai seulement mes skins de PC. Donc voilà, c'est bien chiant. Hein. Comment se faire niquer par Blizzard des années de Overwatch première du nom. Plus d'armes en or, plus rien du tout. Donc voilà, donc je vais voir un peu ce que donnera le MVP du jeu, enfin MVP, le PVA du jeu, selon le prix évidemment qu'ils vont mettre. Et on verra à ce moment-là. Donc moi, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était Event d'Halloween. Moi, je vous dis bien à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace. Surtout partager, liker et ouvrir.